Nous allons constater, d'abord voir comment se constitue une structure qu'est la sériation. Look, Barbara, these are sticks. Would you call them sticks? Yes. They're like stairs, aren't they? Okay. I'm going to give you these sticks here, and you try to put them together so they make stairs. Okay? Put them there, okay? Good. I'm spreading them out a little bit. Les jeunes enfants, antérieurement aux opérations, au niveau préopératoire, se bornent à faire des couples, des petits et des grands. Et le premier des sujets que vous allez voir, Barbara, 3 ans, 6 mois, ne se borne à disposer ses bâtons qu'en petits et en grands. The little ones go there. The little ones go there? And the big ones? There. Well then, put them... Can you show me once again, a little louder? The big ones here, the big ones here, the big ones here, the big ones here, the little ones here. Yes, that's fine. You put the big ones here and then the little ones here. Hmm? That's fine. Mathieu, qui a 6 ans, 5 mois, aboutit par tâtonnement, par essai-erreur, à une sériation correcte, en partant du plus grand pour arriver au plus petit. Il n'a pas un programme au moment où il commence à construire sa série. Il se rapproche donc de la structure sans l'avoir encore atteint. Fine. Have you finished? Yes. How did you do it? We just have to take the littlest one right up to the biggest one. Where's the littlest one? This one. This one? And the biggest one? This one? Yes. First I'm going to stand them all up and see which one is the biggest. Can you tell me what you did? Well, I first looked at which one was the biggest. And then? And then I looked again at which one was still the biggest, still. And then? And then I saw that it made stairs, that there. So I put that one after, and there it was. Catherine, qui a 9 ans, elle possède la structure. Elle emploie une méthode opératoire pour la construire. Elle dit, j'ai regardé lequel était le plus grand, et puis ensuite, lequel était encore le plus grand, et ainsi de suite. Elle prend toujours le plus grand de tous ceux qui restent. Autrement dit, dès la construction de la série, elle aboutit à une méthode exhaustive sans avoir besoin de tâtonnement. Eh bien, de cette conquête d'une structure, elle peut tirer des conséquences nouvelles auxquelles elle n'avait jamais pensé. How many sticks are there that are bigger than this one? 7? 7. You counted them fast, hmm? Yes, I did 3 plus 4, I looked.
And how many of the sticks are there that are smaller than this one? Seven again. Seven again. How do you know? Because you didn't count. I didn't count. But it's easy to know because there are seven in this direction. And it's easier that there are seven in the other because that's it. The same. It's the same thing. Comme vous venez de voir, on lui demande combien il y a d'éléments plus grands que le plus petit, et elle les compte. Et ensuite, on cache et on lui demande combien il y a d'éléments plus petits que le plus grand. Elle n'a pas besoin de les compter, elle déduit tout de suite que ce sont les mêmes. Et elle répond 7 comme elle avait compté 7 dans l'autre sens. Ben, vous voyez ici la structure qui n'est pas simplement une construction d'une organisation sériale, mais qui en tire des conséquences auxquelles l'enfant n'avait jamais pensé puisqu'on lui avait jamais posé cette question. Autrement dit, la structure est source de pouvoir déductif, tout en étant essentiellement, comme je l'ai dit à l'instant, l'ensemble de ce que l'enfant sait faire et non pas l'idée qu'il s'en fait. Tell me now, I'm taking this one away. That makes a little staircase. That makes a littler staircase? Yes, that one's big. And then the little one. And the little one. What's this one? The biggest? Yes. How many of them are smaller than it is? Can you count them? Four. Four? Four that are littler than the biggest one? No, three. Three. And this one, it's the littlest? Yes. Okay. Look, Renaud. How many of them are bigger than that one? One. One? I can't see. You can't see. Can you tell me without seeing? No. You don't know. Well, we'll count them. How many of them are bigger than it is? Than this one? All of them. Vous constatez au contraire que le jeune sujet, qui s'appelle Renaud et qui n'a que 4 ans, est incapable de répondre à cette question dont la réponse nous paraissait évidente, elle apparaissait à Catherine. Il ne comprend pas, même qu'il n'y a que 4 éléments dans sa sériation, qu'il y a 3 plus grands que le plus petit et que réciproquement, il y a 3 plus petits que le plus grand. Si les connaissances ne sont pas préformées ni dans l'objet, comme le croit l'empirisme, ni dans le sujet, comme le croit l'inéisme, il y a alors construction successive. Et le développement de l'intelligence, à cet égard, apparaîtra comme une série de constructions qui prolonge l'embryogenèse, qui prolonge l'épigénèse, la formation de l'organisme lui-même. Et ces constructions successives, et par le fait même qu'elles sont successives, marquent alors une série de paliers hiérarchiques que nous appellerons des stades. Et en gros, nous pouvons, des stades ou si vous préférez, des niveaux. En gros, nous pouvons distinguer 4 grands stades. Les premiers se manifestent avant le langage, c'est le niveau de l'intelligence sensorimotrice. Ensuite, c'est le niveau des premières représentations avec l'aide du langage, mais sans encore atteindre les opérations au sens que nous avons défini tout à l'heure. Ce sera la période préopératoire dont vous venez de voir des exemples à propos de la sériation avant que l'enfant atteigne l'opération. Ensuite, nous avons le niveau des opérations que nous appellerons concrètes parce qu'elles portent sur des objets manipulés ou manipulables pour l'enfant. Et puis finalement, il y a un niveau supérieur où l'enfant peut raisonner sur des hypothèses aussi bien que sur des objets et que nous appellerons les opérations formelles. Eh bien, pour étudier ces stades, nous présentons à l'enfant des séries de petits problèmes. Problèmes de série, comme on l'a vu, problèmes de volume, comme vous allez le voir dans des expériences tout à l'heure.
Mais ces problèmes sont absolument nouveaux pour l'enfant. Il n'y a jamais réfléchi. Avant de se trouver face à un psychologue, ben, il s'était jamais posé ces questions-là. Alors on pourrait s'attendre à ce que les réponses de l'enfant soient d'une infinie diversité, soient absolument multiples, dispersées, et surtout soient inventées ad hoc dans chaque situation particulière, par chaque sujet particulier. Eh bien, ce qui est au contraire d'étonnant, et cet étonnement, je l'ai depuis 50 ans que je travaille dans ce domaine, ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'aux mêmes âges, des enfants d'un même milieu, j'entends par milieu la collectivité adulte, les enfants d'un même âge, en gros, donnent toujours les mêmes réponses. Il y a une convergence étonnante. Et puis, d'autre part, par exemple, ce que vous avez vu sur la sériation, vous pouvez le voir chez tous les enfants préopératoires, etc. Et puis, le second fait très surprenant, c'est que on retrouve, il y a des différences donc d'un âge au suivant, mais on retrouve toujours le même ordre de succession. C'est-à-dire que ces stades sont séquentiels. Il faut passer par l'un pour pouvoir arriver au suivant. Bien entendu, les âges peuvent varier d'un milieu social à un autre. Et on a fait de multiples expériences de psychologie comparée dans des sociétés toutes différentes des nôtres. On a étudié nos stades en Afrique, on les a étudiés chez les Indiens d'Amérique du Nord, en Asie, etc. Ben, c'est toujours la même succession. Les âges peuvent varier suivant le milieu. Prenons un exemple de variation, ce sont les recherches faites en Iran. Chez les petits écoliers de Téhéran, les âges sont les mêmes que chez les petits écoliers de Genève. Tandis que les mêmes questions posées à de petits analphabètes de la campagne ou de la montagne donnent des réponses et qui sont en retard d'environ 3 ans par rapport aux citadins et aux scolarisés, mais l'ordre de succession est toujours le même, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes stades. Alors, ces stades, j'aimerais les illustrer en vous montrant la succession des réactions en face d'un problème qui est le problème de reproduire un volume avec une maison, un édifice dont la base change. We'll say it's the ocean, this blue.